La contribution des femmes à l'apport alimentaire familial est importante en Afrique. À travers le continent, elle compte parmi les principales productrices agricoles, représentant 80% et 56% des employés agricoles au Cameroun et en Ouganda respectivement, et 53% à l'échelle régionale. La 58e édition de la Journée panafricaine de la femme, le 31 juillet 2022, vise à promouvoir le rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et la nutrition. Je pense qu'on devrait plus se mobiliser ces journées-là pour nous faire entendre et pour faire progresser le combat des femmes. Moi, j'inscris cela toujours dans la logique de la constance. Il faut continuer le combat et se dire toujours qu'on peut obtenir mieux que ce qui est déjà un atout pour les femmes. Des disparités existent cependant dans la capacité des femmes africaines à contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Elles restent confrontées à des obstacles variés, notamment le difficile accès à la terre. Des chiffres de l'Organisation des Nations Unies indiquent que 15% des propriétaires fonciers en Afrique sont des femmes. Il faut une mobilisation de toute la société et demander à la fois aux décideurs, donc aux autorités de nos pays, d'être beaucoup plus sur ces questions-là, strictes, sévères dans l'application des lois qui existent. La valorisation du rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et la nutrition passe par l'amélioration des techniques agricoles sur le continent. Des experts appellent les gouvernements à lever les restrictions imposées aux femmes dans l'accès aux intrants et à la mécanisation agricole.